Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. To make your be for Yinga. To mende for San to make your be for Yinga. To mende. Dieu a son temps. Et son enfant, ce qu'il fait est merveilleux. Que son nom soit élevé au siècle et des siècles. Au nom du bureau. Nous louons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et nous célébrons son nom. Et nous croyons que ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Alléluia. Amen. Et ne doute point lorsqu'il va accomplir quelque chose. Et nous irons au bout. Nous verrons Jésus. Le Burkina Faso verra Jésus. Le monde verra Jésus. Le nom du Seigneur sera glorifié. Au nom du bureau, nous voulons vous remercier tous. La confiance que vous avez mise en nous pour nous voter, nous vous remercions. Certes, beaucoup de gens ne nous connaissent pas. C'est pour cela que certains élisent et d'autres ne le font pas. Mais nous vous aimons tous. Celui qui a voté et celui qui n'a pas voté, nous vous aimons tous. Vous, où est-ce que vous soyez, nous vous aimons tous. Je voudrais dire une chose. Nous voulons vous connaître davantage. Nous voulons vous connaître davantage. Nous voulons connaître votre vie de foi et l'œuvre que Dieu vous a appelée. Nous voulons connaître vos larmes. Et nous voulons connaître vos faiblesses. Et dans votre joie et dans votre faiblesse, nous voulons le connaître. Et nous voulons vous demander aussi de chercher à nous connaître. Chercher à nous connaître est important. Vous nous connaîtrez certainement.
vous ne ferez en nous que le souci de l'œuvre de Dieu. Et cherchez à nous connaître. Pour cela, je voudrais vous demander, comme le président l'a déjà dit, nous vous demandons de nous soutenir. Priez pour nous. Dieu nous entend. Dieu nous répond. Si vous priez pour nous, nous irons de l'avant. Nous serons victorieux. Le nom de Dieu sera glorifié. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. Au nom du bureau, nous vous remercions et nous vous demandons de vous souvenir toujours de nous. Au nom de Jésus. Je vais vous demander un petit moment pour faire quelque chose. Je voudrais remercier. Je vais demander au président Paoundoré de venir. S'il vous plaît, venez. Venez, s'il vous plaît. Et un court moment, je voudrais dire. Bureau exécutif. Dire au bureau exécutif. Précisément, le pasteur Paoundoré, la place qu'il a dans mon cœur. Dieu ne travaille pas en vain. Cet homme-là, en 1970, que mon papa est décédé, et j'étais chez Dupré. J'étais arrêté à côté d'un arbre, à côté de la maison du pasteur Jean-Charles. Et cet arbre est toujours là. Il y avait des pasteurs. Et j'ai vu quelqu'un qui venait avec un vélo d'arbre. Et il a attrapé l'arbre au côté duquel j'étais. Et il parlait. Et la personne s'est retournée vers moi. Et tu es le fils à qui? Et Antoine Tassambero lui a répondu. C'est le fils du premier président. Pasteur Philippe Ouedraogo. C'est la première parole qu'il m'a adressée. C'est vrai ça. Il faut faire tout pour être comme lui. Et je ne savais pas pourquoi, mais cela s'est accompli. 5 ans plus tard, Dieu m'a appelé à l'école. Et j'ai voulu fuir de l'école publique au Libéria. Et Dieu m'a ramené à partir de la Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis revenu encore entre les mains du pasteur Paoundoré, il m'a reçu et il m'a inscrit à l'école biblique. Et il m'a soutenu jusqu'à 78 à ma sortie. 1979, je partais en Angleterre pour des études avec mon épouse. Et je partais d'abord seul. J'ai dit au pasteur Paoundoré. Et il m'a indiqué comment entrer en Angleterre. Et il a vu que je suis trop saut. Je suis trop saut. Je vais t'accompagner. Et je n'ai pas su où est-ce qu'il a eu l'argent. Lui-même, il m'a accompagné. Je n'avais même pas d'argent. Et je ne pouvais pas l'aider non plus. C'est lui-même qui a payé son billet d'avion. Et il est entré dans l'avion avec moi. Et lorsque nous sommes arrivés à l'immigration pour entrer, pour nous présenter, je ne comprends pas l'anglais. Je parle en français. Et celui qui m'écoutait ne comprenait pas. Et j'ai voulu élever ma voix. Lui, il ne comprend même pas le français. Et le pasteur Paoundoré m'a piétiné par le pied. Et il m'a lorgné. Et je me suis calmé. Attends, calme-toi. Et on a parlé, on a cacheté, nous sommes partis. Mam Hayi Benenwa, 1981. Et lorsque je suis revenu en 81, écoutez-moi bien ce que Dieu a fait. When I'm tala mam ni nongra, ne biroa, en kies mam. Et Dieu a utilisé son nom pour m'introduire dans un lieu secret pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La présence cachée de Dieu. Là, on n'y entre pas facilement. Il faut le pousser pour qu'il aille dedans. Et c'est pour cela que j'ai été là-bas.
Moïse ta yumpini. Moïse, c'est à l'âge de 80 ans qu'il a pu faire sortir.